Oh, Luca. La serrure est encore gelée. Oui, l'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le... Le coffre? D'accord. Oh, Mélie va encore me dire, bah, t'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Et pourquoi on ferait... Et pourquoi on ferait ça? Et pourquoi tu ferais pas ça, d'ailleurs? Ok, tu veux que je me retourne? Très bien, parfait. C'est bon! Tu peux je le faire, maintenant. Mes doigts. Qu'est-ce que tu fais là, toi? En plein livre, c'est Hugo qui aurait dû te trouver. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas... On sait pas où est Hugo. Ça fait un moment. Ça craint, ça craint. Évidemment qu'on est chafouiné. Ces objets. Je me souviens de chaque endroit. Chaque moment. La soupe. C'était le tour de qui? Mélie? Non, ça sent pas assez le poivre. Est-ce que on n'irait pas récupérer? Oh, j'ai peur d'arriver pendant qu'il pisse sur la serrure. Ouf. J'ai vraiment eu beaucoup de peur. Non, je crois pas que ce soit des slips en mitrine. Hein. Je crois que ce soit... J'ai l'impression que c'est plutôt tradi. Hein. J'ai l'impression que ce soit elfique. Ok. Le truc le plus compliqué à trouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. De la poudre. Poudre et slip. Normal. Oh, attends. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Gros gameplay. Très bien. Nickel. C'est très important de le faire. Je me serais senti... pas bien. Si je l'avais pas fait. J'ai l'impression d'avoir accompli un truc. Yes. Il faut que Lucas arrête de récupérer des livres. On va finir par en avoir partout. Oui, pense à tous celles et ceux qui doivent faire des retours la critiques. La tête de Lucas quand il avait cru arriver au grand œuvre. Et Hugo, bravo Lucas, t'es un sorcier. Tu es un sorcier, Lucas. Je trouve ça hyper stylé que... qu'elle rapporte des anecdotes. Des Lucas a passés. Encore passé la nuit ici. Ça doit lui rappeler l'époque où il vivait chez Laurentius. Non, je trouve que ça donne de la profondeur et en termes de gameplay, ça ne donne pas grand-chose, mais ça apporte de la vie. Non, ça recoupe énormément avec ce qui s'est passé auparavant. Et ça apporte de la profondeur à la relation qu'entretiennent Amicia et Hugo. C'est très agréable, c'est très très agréable. Exactement, ce sont des petits riens qui font toute la différence. Sachant qu'ils sont là-bas, on part dans les souterrains, sachant qu'on n'a aucun intérêt, on était là aussi. Peut-être qu'elle fera référence à ce moment-là, à l'anecdote où il s'est arrivé avec Hugo pour faire une prière. Excusez-moi, si vous savez où est Hugo, dites-le-moi par pitié, ou veillez sur lui, si vous le pouvez. Incroyable. Pendant ce temps-là... Lucas, galère. Ok, on a ouvert la porte de ce côté. Franchement... Ah voilà, bien sûr. Toi aussi tu te sens seul, hein. Allez, courage. Un jour de plus. Bah ouais. C'est très réussi. N'empêche, on a loupé la dispute en bas. Oh! Salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes! Je veux nous garder en vie, c'est tout! Comme quel on a grossier toujours personnage. Fait. La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier.
pourquoi je la ferais chier? Okay. Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide. C'est le principe des gens chiants, hein, ils font chier, je suis navré, mais... Il veut juste me voir. Pourrait pas faire chier s'il était pas chiant. Quand tu veux, Amicia. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Ah, sans doute, oui. Ça aide... Je veux dire, à une époque où il y a la peste, tu vois, c'est, j'ai envie de te dire... oui, c'est rassurant un peu quand même, hein, de savoir que... Que tout le monde va pas finir becté. Alors, ça va? Je me sens vieille. Ah, t'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Mon corps est à Hendrick! Je t'ai fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. C'est bon. Wow! Oh, c'est impressionnant ce que tu fais quand même. J'aime bien le feu. D'accord, si tu le dis. Ça suffit, j'en ai marre. J'aime bien le feu. Tout va bien, Rodrigue? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, qui va marcher? Oh, Rodrigue. Oh. Va marcher, Rodrigue. Oh, c'est tellement... Hé, du calme. Si tu casses tout... Oh. Rodrigue. Voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode Rodrigue. Oui, pas comment, la méthode Rodrigue. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Bon, Rodrigue. Pour celui-là, je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. D'abord, je vais parler à Rodrigue. Eh, est-ce que ça va? Ben ouais. Pourquoi? C'était... Impressionnant. Intense. Ah, oui. Les coups de pied. Mon père travaillait comme ça. Ah. Y a plus que moi pour suivre la tradition depuis qu'il... Bref. Et toi, ça va? Oh, ça va, ça va. Il me manque aussi. Mais depuis, tu sais j'ai quoi pris goût au meurtre. Si on étendait encore le champ de recherche. Oh, Rodrigue, ça sert plus à rien. Ça fait déjà 30 jours. Allons préparer la fosse pour la nuit, d'accord? D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça? Non! À la ferme. Oh, Amicia, permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. Va plutôt te laver, tu pues. Mais non! Oh! Quel doux ménestrel tu fais! Arthur, faut qu'on parle. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas pauvre. Comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Ok. Oui, oui. Voilà. J'ai la crainte qu'il y ait des rats qui sortent dans tous les sens une fois qu'on verrouille l'ensemble. J'ai vraiment la crainte qu'il se passe un truc dans ce bout-là. Ok, il faut peut-être juste allumer en fait. Hein. Ok. On a fait tout ce qu'on devait. Et c'est moi qui dois faire tout ça. Hein. Ça va être tout ce que ça me coûte en... Ok, on a tout allumé. On a ok. Je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des... C'est mignon tout plein. Demande à Amicia. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. C'est mis en tout plein, hein. Ok, ça c'est ok. Eh bien, on peut bouger ça, parce que c'est notre Nindo. Ah,
Les slips sont là pour être utilisés, nous dit Bia Pilgrimer. Et cette phrase est désormais immortalisée dans le dernier épisode de cette VOD. Et génial. Voilà, c'est alors. Bon pour moi. La consécration. Non. Pas du tout. Mais mais sans deck. Bah non, mais en plus... Oh. Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier. Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté. Ils éteignent le... C'est quoi ce bruit? Se regroupe. Ils vont éteindre les feux. Merde. J'ai plus d'y faire, Amicia. Je vais pas pouvoir t'aider. Je vais me débrouiller. Pas la première fois. C'était les flammes maintenant, sans mec. Bah non, moi aussi je m'auto-interdis d'y aller. Hein. Complicado, complicado. Oh 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 oh. Est-ce que c'est rassurant? C'est pas bon du tout. Je dois atteindre l'échelle de l'enceinte rouge ou je vais mourir ici. Amicia, je t'approche en brasier. Essaye de l'atteindre. D'accord, je compte sur toi. Et on compte tous sur toi. Envoie la note. Wow, 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 wow. Mais sans deck! Ah non, ok, très bien. Voilà. C'est parti, je te ramène vers l'échelle. Allez, Amicia, t'as connu bien pire. Oui, t'as connu bien pire, bien sûr. Tiens bon, je te rapproche l'autre. Fais vite, s'il te plaît. Oui, alors. Amicia! Disons que techniquement, il y a un petit problème! Oui, bien sûr. Oh, alors. Pas le temps de niaiser. Oh. Mais bouge ton bras zéro. S'il te plaît. Ça marche mieux. Allez, tu y es. Ok. Okay. Enfin. Oh mon dieu, j'y croyais plus. Ça va? Oui, merci. Ça va super. Le brassier, de ton côté. Je te l'amène. Et tu es où? Tu t'en sors? Ouais. Grave. Je préfère être ici que en bas. Okay. C'est quoi ce bordel, Amicia? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'ils leur font? Je pense pas qu'ils aient pouvoir traverser rien, le... On aurait dit une sorte d'attaque. Tu te fous de moi? C'est non. Des rongeurs, pas l'armée oui. Anglaise. Mais ils savent ce qu'ils font. Mais dans l'introduction, j'ai vu ça qu'une fois. Ils ont dit chez moi, à la que les Anglais merde, mangeaient des gens. Bien, on aurait dû se tirer.
Amicia, je crois que j'ai besoin de toi. Je m'en occupe. Je me sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite. Tu ne pouvais pas traverser le mur. Si. Voilà, voilà. Ça pue. Allez, comme ils sont tous énervés, là. Il en arrive encore. Ils veulent vraiment me couper. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Wow. Monte, monte. On y est presque allé. Monte. Allez, viens. Rejoignons les autres à l'intérieur. J'espère qu'ils vont bien. Si les rats sont entrés... Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Ok. Est-ce qu'on a besoin d'allumer ça, hein? Non, ce serait du gâchis, hein. Ouais, d'accord. Est-ce que ça va? Non! C'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais... le château est fait pour résister à... Lucas, il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas une simple invasion. Wow! Par ici! Vite! Mais non! 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 Va et fais ce que tu dois faire. Hugo. Viens. Hugo. Non. C'est Ellie, Ellie. Qu'est-ce que tu fous avec cette porte? Elle va pas souffrir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, Rodrigue! Ah, allez, chérie! Avec la macula à sortir. Bah, pardon, l'ami, 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 je voulais dire l'ami. Mais non, il est foutu, ton château. Les rats passent des dépenses comme dans du beurre. Attends, je dois parler à Hugo. Je peux. Il a raison, Amicia. Allez, passez! Non! Non! Non. Mais sérieux? Mais pardon? Au travail. Hugo! Hugo! Tu l'as. Ou je tuerai ta mère sous tes yeux. Hugo! C'est moi! Amicia! Ta sœur! Tu l'as, petit. Je ne ferai pas ça. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Oui, oui, je recule là. Hugo, non. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo. Assez. Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, non. Cette ordure. Ordure. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi? Non! Hugo est le seul porteur! Était! Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Mélie! Mets la gomme! On l'a eu, ce sale chien! T'es pas Mélie? Amicia. Oh non. Oh, du drama. Oh. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je peux parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo? Hugo! Je veux seulement te parler.
peux plus rien faire, Hugo. Regarde. Oh. Bah oui, pour le coup... D'accord, d'accord. Je bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais de te protéger. Je... t'en supplie. Ok, ok, ok. Est-ce que c'est tendu ? Réponse, non ! Est-ce qu'on a des aides pratiques sur Dead by Daylight ? Réponse, oui ! Ok, 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 ok. Qui voilà qui ? Qui voilà qui ? Qui voilà qui ? Qui voilà qui ? Est-ce que je peux te voler ta vie ? Rien. Ils bougent vite. Comme des cafards. Oh, des cafards, des cafards. Vous ne pourrez pas fuir éternellement. Bah, disons que, dans l'absolu, c'est méga long l'éternité. Non, pas très bien, non. D'égal à égal. Lyra, Amicia, il les a tués. Je vous avais dit que je vous trouverais. On va récupérer d'autres. Ok, on va essayer de commander. Non, 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 non. On peut pas utiliser. Amicia. Non, on peut pas. Ok. Il faut utiliser le pouvoir du go. Et il se déplace de plus en plus vite, hein. Wow! Mec! Attends, alors... Laisse-nous utiliser! Non! T'accroupis pas! J'en profite pour... Ok! Ok. Bah je me tiens un peu à distance. Je me mets à distance de lui comme ça. Voilà. Comme ça. Oui, on est forcément ici, oui. C'est quoi ? On va d'abord.
là. Je sais que vous êtes là. Non. Tout près. Non plus. Voilà. Non. Arrière. Arrière. Il va se relever, il va se relever. Est-ce que vous voulez pas aller en enfer? Oui. C'est l'enfer. Alors. Non. Allez, mes mignons. Mais qu'est-ce que tu mérites? Chance. Ah ouais? Et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres! Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre! Il reste plus rien! Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie. On est cinq. Contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil? Oui, je crois. Oh. Oula! Qu'est-ce que tu en dis? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Résume-le avec ta vraie voix. Quitte à ce qu'on meure. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Je veux sauver maman. Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est tellement beau, c'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable. Le sentiment de justice qui s'élève au-delà de tout. Incroyable. Normalement, c'est... On ferait presque un JDR. On en reparlera. C'est grand. Tu crois qu'on va arriver à trouver maman? On va la sortir de là, Hugo. Bon, allez. Ça suffit de traîner. Hé, attends! Elle est triste, Mélie. Elle va se calmer. Mais on peut pas l'aider. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger. Et pour qu'elle reste en vie. On a le petit. Et pour ramener son frère à la vie. On est invincible. Oh, je rigole. Roderick, c'est un enfant. Ok. La potion lui a servi à ne pas céder du côté obscur, c'est-à-dire à ne pas perdre la raison. Mélie, calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre. Ils ont pas fait exprès, Mélie. Ils... Pas le choix. On doit tenter la grande porte. Mais faudra faire attention. Oh, Mélie, attends. Tu peux pas donner un petit coup de boule à la porte? Elle est en colère contre moi? Non. Si, carrément. Elle est en colère tout court. Mais laisse-lui un peu de temps, Hugo. Bah, Hugo, attends. T'as failli tuer maman, t'as tué papa, Arthur, à un moment donné, cette soif de sang, il va falloir que tu la calmes, hein. Tu veux pas être le témoin de mon mariage avec Roderick? Attention. On en reparle. Hey, ça a déjà commencé, vous croyez? J'espère bien, parce que ça brûle de plus en plus dans le coin. Ils sont trois, c'est risqué. Vitalis sait ce qu'il fait.
Par la petite porte, c'est possible. C'est ce qu'il dit. À tous les coups, elle est verrouillée. Qui est ils vont. On sait même pas ce qui se passe vraiment dans cette foutue cathédrale. Allez, c'est le moment. Lucas, avec moi. Ellie. T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Mettez pas de casque quand vous montez la garde. Il nous a fait une Roderick. Elle connaît la ville comme sa poche. Elle va les balader. Venez, on doit en profiter. Il est pour toi. Tu vas me le payer. Au travail. J'essaie peut-être d'aller un peu fort. Oui. Carrément. Regarde, c'est ton... Arrête de tourner, Roderick! J'essaie de te présenter à mon frère. T'as un problème? Roderick. Hugo. Je te présente. Ton beau grand frère. Ton... Bref, t'as compris, hein? Ce qu'on devait récupérer. Roderick ? Roderick ? Ça a bien changé depuis la dernière fois. Les cloches ! La cathédrale, Amicia ! Vitalis est là-bas ! Alors Mère doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. Incroyable. Oh là. C'est quoi ces tremblements? C'est les rats. Ils sont ici. C'est les rats. Juste en dessous. C'est eux qui ont tout détruit. Regardez le sol. Voilà, les torches sur les nids. Donc de manière générale. Oh mais regardez comment ils se tiennent cette fois. Regarde. Ils sont tout choupis. Je veux les adopter. Je veux la... Faut que je lui donne un nom. Je vais l'appeler Nemo. Oh. Oh. Wow. Oh, bravo Nemo. Il m'écoute. Eh ben... C'est pas juste écouter. T'es juste un tueur en série, mon petit frère. Oh, avec Roderick, vous êtes ce qui est le plus important pour moi. Oh. Oh. Si j'étais toi, je toucherais pas. Pourquoi? Les flagellants se fouettent jusqu'au sang avec. Ça doit être plein de bouts de chair. Mais c'est stylé. Face à la multiplication des ordres des cultes, l'Église implore l'Inquisition de punir l'hérésie jusqu'à ses racines en chassant Dolcinia. Fraticelle ou flagellant, ces derniers, convaincus que l'humanité mérite la sentence divine, se repentent en s'infligeant la discipline en public. Ok, donc ils font de la modération, c'est ça? Lacérant leur propre chair à grands coups de fouet, tout en défilant dans les rues, ironie de l'histoire, les flagellants ont contribué à propager le fléau de village en village. On vient de là et on vient de là. Attends. Je veux pas mourir, je veux juste looter. Pardon, Nemo. Ok. Des gardes. Elle a toujours été sous-protégée.
Ok. J'ai peut-être trouvé un nouveau protégé. Oh, non, ok. Voilà. Hey, Roderick ? Mais qu'est-ce que... Roderick, il passe devant. En mode, c'est la danse des canards. C'est en mode... Je vous rejoins, Amicia, Hugo. Occupe-toi de lui. Tu me le diras pas deux fois. C'est quoi? Bien joué. J'aurais pas aimé prendre ce coup-là. Et toi non plus, techniquement, t'aurais pas aimé ça. On dirait que celle-là veut mourir avant toi. C'est pas passé loin, mais j'ai rien. Ok. Très bien. Il a un casque, hein, j'ai l'impression, lui, en face. Hein. J'ai l'impression qu'il a un casque. Il a un... Hein? Roderick! Roderick! Ouais. Ok. Roderick. Occupe-toi de... Il est parti! Oh. Et quoi? Roderick! Eh bien, sache que quand le garde reviendra, d'ici mardi, il faudra que tu t'en occupes. Hein? Et ce jour-là... Roderick, c'est ton moment. Roderick! Roderick, Roderick, Roderick. Tu peux t'occuper de lui. Oh! Et tu reviens après. Tu vas te prendre... Je prends mon cahier. Aucune situation de crise, hein. Là on a tout très bien géré. Là c'était vraiment, on a fait vraiment du solid snake. Hein. Regardez. Regarde, Roderick, c'est impressionnant ce que je vais faire. T'as vu? Excusez-moi. Je profite de l'instant. Oh, mais je touche au pied là. C'est tout bloqué. Et il y avait plein de manières de faire. D'intervenir ici. On a fait la façon la plus subtile. Ok. Bonjour, monsieur le... Oh, il dort. Oh. Il dort, il dort. Parfait. Un slip dentelé? Ouais, bah attends... C'est ce qu'on appelle la fameuse ceinture de chasteté. Hein. Ce que ne connaît plus Roderick. Contre nature. Deux gardes, c'est ça chacun. On les rend. La
fin des temps. C'est peut-être quand tu sais plus ce qui est bien mal. Tu peux t'occuper de lui. Tu me le diras pas deux fois. Allez, tu sais quoi? Tu vas me laisser? Ça va? Le mec en se baissant en fait pour poser son casque, il a esquivé le caillou, très bien. Non, tu as une armée de rats. Rodrigue, il faut qu'on ouvre cette herse. Je ne vois pas de levier. Je m'en occupe. Attends, je vais créer le levier. Tu veux le faire? Rodrigue, déchaîne les enfers, mon Rodrigue. Tu t'en charges, Rodrigue? Ouais. Wow. Passez! Allez vite! Non, je vais voir combien de temps tu tiens. Si tu m'aimes vraiment, tu tiendras le temps qu'il faut. C'est pas mal, chérie. Il fait ça avec la force de son nez, en plus. Plus haut, je ne passe pas au niveau des épaules. Est-ce que tu pourrais soulever plus haut, s'il te plaît, chérie? Chérie? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Oh. Attention. Ouais, tu m'étonnes qu'ils veulent sortir, mon gars. Mon petit gars! Est-ce que je peux pas lui éclater sa tronche? Ils m'entendent pas. Ça va? Tout va bien? Mais recule, Rodrigue! Ils veulent pas m'écouter! Pourquoi ils veulent pas t'écouter? Fais attention à moi! Pourquoi ils veulent pas t'écouter? C'est bon? Ok. C'est ça, il faut plus de rats peut-être. Non, non, non. Ouais, il regarde loin. Non, 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 non. Ok, très bien. Oui. Vous êtes bien sur les pondeurs de Nemo? Non, non. J'ai pas paniqué, pas du tout. J'ai pas du tout paniqué. On va monter, viens, d'accord, pas de bruit. Oui, t'entends? T'entends, Rodrigue? Oui. T'en as laquelle? Ah, c'est ok. Je veux que tu fasses une Rodrigue, Rodrigue. C'est pas possible, vous avez pas pu. Mais non, t'as rien vu, Rodrigue. Enfin, ils ont rien vu.
aller. Stylée la scène. Hein. Avec les trois gamins là dans les escaliers. Très très stylé. Le tambour, la musique, les rats, les flammes. Parti en fait. Pourquoi je m'échine ? Oui, pourquoi tu t'échines ? Peut-être parce qu'il te reste une colonne vertébrale. Et on va s'occuper de ça. Rodrigue. Occupe-toi de lui. Tu vas me le payer. C'est pour le mariage. Yes. Pour qu'on se rappelle pourquoi est-ce qu'on s'aime. Voilà. J'ai compris, ça va, qu'est-ce que je me saoule là. Odile. Amicia. Rodrigue. Odile. Hey. Oh. Merci. Amicia, vous êtes vivant. Écoutez, Vitalis se trouve à la cathédrale. D'accord, mais il y a tout un bataillon qui vient vers vous. Vous devez détaler d'ici. Prenez les escaliers. Non, on a Rodrigue. De l'autre côté. Ils ont peut-être une armée. On ne peut pas rebrousser chemin. Partez, on vous retrouve de l'autre côté. Faites attention, la maison. Allez. Rodrigue, il a vaincu une armée, tout seul avec son épée. Oh, c'est fermé. Je vais l'enfoncer. Tu m'aimes vraiment ou pas? Rodrigue ? Il y a des gardes qui arrivent. Rodrigue, à couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Non, il est venu en traître. Je vais tout gérer. Quand tout à coup... Ouais. Bon. Oh, c'est fermé. Là, il faut que je chope le premier. Saloperie. Le deuxième que j'éteigne. Il y a des gardes qui arrivent. Rodrigue, à couvert. D'accord, on s'en charge. Amusez-vous bien. Et occupez-vous de lui. Il y en a un qui va venir par là. Voilà. C'est lui qui allait par l'arrière. Bah du coup on va éteindre. Parce qu'il attire l'attention. Et bien voilà le séquentiel. Marius. Ça va, je crois. C'est bon, Rodrigue. Bah dis donc, les deux runes, rappelez-moi de pas vous énerver. La bien. Séquence. Cette fois, ça va marcher. La séquence à gérer qui a empêché l'autre de me prendre un verre, ça a tout joué. Ça a absolument tout joué. Non, Amicia, on peut pas. On va brûler. Il ne t'arrivera rien, je te le promets. Rodrigue, tu me suis ? Jusqu'en enfer. Oh. Excuse-moi. Jusqu'en enfer. Oh, mais la petite toux là, comme ça, qui est trop choupie aussi. Ok, sleep, ok. Allez, courage. Pourquoi je m'accroupis là? Tu
suis vraiment sur un enfer. Prouve-le, mon cœur. Tu peux t'en charger. D'accord. Oh. Le plafond va tomber. Il va tomber, c'est assez, hein. Ça détaille. T'as battu le capitaine de l'Inquisition. Ouais. T'es un dur à cuire. Dur à cuire que moi. Non. C'est vrai. Je mens jamais. Mon père le disait. Forge le forgeron. Ça doit être la sortie. Stylé. Stylé, hein. Ton père avant qu'il meure. Ok. On aurait tout récupéré. Ok. On est caché. Rodrigue, déchaîne les enfers. Si tu m'aimes, c'est pour toi. Rapporte-moi sa colonne vertébrale. Maintenant, je l'imagine, tu sais quoi, je l'imagine avec une collection de colonnes vertébrales comme dans Predator. Attention. Enfin, qui doit faire attention à qui? Excusez-moi, je suis avec. Je suis avec Roro quand même. Amicia, qu'est-ce qu'on fait? Attends, je réfléchis. Pardon? Excuse-moi, mais à quel moment? Je peux faire rafale de cailloux, hein. C'est lui qui est problématique. Et je peux tous le récupérer. C'est pas moi. Rien du tout. Merci Kisscat. Bonsoir à tous, bonsoir Maya, bonsoir à toi. Merci pour les 2 mois, merci infiniment. Et le 1. Et le 2. Et... 2, 3. Amicia, réponds-moi. Oui. C'est moi. Que veux-tu, petit enfant? Je viens de te répondre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, merci! Merci! J'étais en train de goûter avant que vous me parliez. Oui, merci! Et bonne chance! Hé! Attendez! Des flèches! À couvert! Des archers! Merci, petit enfant. Ouvrez l'œil surtout! Personne doit s'approcher de la cathédrale! La cathédrale! On est sur la bonne voie! Là-bas, la herse! C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Ça sent quand même le Rodrigue qui va pousser le... Qui va pousser la chaleur du diable. Oh. Oh. Ok, normal. Ça fait spook, hein, ça fait spook, hein. Je devrais pas. Pourquoi? Cet endroit. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Rodrigue? C'est là où il était? C'est là où son père est mort? On va aller looter en face. Ok, là on peut... On a quand même beaucoup dépensé pour faire notre... Oh, on a encore des trucs. Okay. C'est considéré comme étant... Déjà acté ce qu'on a fait. Cette ruelle. Oh. Non. J'en étais sûr. Rodrigue, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Allons-y. Enfin,
Fais attention à... C'est pas vrai. Roderick. Il reste plus rien. Ils ont brûlé ta maison? C'était la forge de mon père. C'est là que j'ai grandi. C'est là que... Je sais ce que tu ressens. Mais tu es encore là. Et tes racines, ils ne pourront jamais te les prendre. Tu as raison. Je sais qui je suis. Allez. Mais je crains le pire, je crains le pire. On va sauver votre mère. Tu vas voir. Maman, elle est gentille. On partira ensemble. Je crains le pire. Et on trouvera un autre château. Ça, ce serait bien. Okay. Le chariot. Roderick, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. La demi-seconde que j'ai utilisée pour produire. Hé ! Lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière ça, avec ça a ton frère. Été trompeur. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Enfin, je vous jure, ça me chafouine, ça me perturbe. Surveille les gardes. D'accord. Cette histoire avec Roderick. On rigolait, ça, le drama est vraiment présent, quoi. C'est horrible. C'est le jour de la marmotte en Red Band Trailer, là, mon gars. C'est terrible. Amicia, ils sont pour toi. Ah, je suis totalement en PLS là avec Roderick. Ouais. Je veux pas qu'il nous fasse une Arthur, je veux pas qu'il nous fasse une. Il y en a d'autres. Ne t'inquiète pas. Ah non, c'est la PLS là. Salopard. Amicia, ils l'ont touché. Roderick, lâche ce chaton, je t'en prie. Non. On en a besoin pour atteindre la herse. Ouais, ah oui. Ouais. J'essaie de semer le caillou. Wow! C'est un bon signal! Je suis à l'escalier! Je vais me mettre en boule, moi. Hein. Ok. Wow! Encore un effort! Vous y êtes presque! Non, non, non. Non, non, non. On l'entend. Un peu mieux. Je te suis. Bon. Non, mais sérieux. Mais sérieux. Vas-y. Sérieux. À toi. Je suis désolé. Putain. Hugo, viens, il faut partir. Rester en vie et grouper. C'est compliqué. C'est pour ça que Roderick et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille. Elle a raison, Mélie. C'est compliqué. Roderick. C'est fini, Hugo. Il se repose maintenant. J'en peux plus de ces rats. Charogne. Dégagez de là. Ils vont nous faire passer. Ah ouais? Et comment? Comme ça. Comment tu... C'est compliqué. Waouh, alors c'est... Hugo, dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Mélie, on peut rien faire sans ton frère, Amicia.
Tu comprends ça? Je vais t'aider. Sur plus ça. Et tu vas nous aider à sauver maman. C'est injustice. D'accord. Marche conclu. Va leur donner ce qu'ils sont récoltés. Qu'ils prennent tous. Hugo. On va être un peu plus finaux. On va voir par où passer. Par ici, c'est ça, ok. Toi. Et comment ? J'ai trouvé ! Par ici ! On en reparle. Allez, t'es quoi ? Ok. Tout va bien. Amicia va être recrutée dans la... Elle a vraiment une... Parmi les Stormtroopers. Allez. Ok. On a ok. Les arrive. Hein. Allez, occupez-vous de lui. Quoi ? C'est ok, hein ? Dis-moi que... Voilà, merci. Voilà, merci. Est-ce que tout va bien ? Tout va bien. J'ai rien. Tout va bien ? Hein, tout va bien. Hein, tout... Je suis pas arrivé, il a pris un javelot, hein. Ok, très bien. C'est cataclysmique, c'est cataclysmique. Ok. Le manuel de l'inquisiteur. T'es sérieuse? Vraiment un manuel pour ces conneries? Il a été écrit avant Vitalis. Eh ben, on va faire en... Enfin, bon. On y est. Vitalis, Amicia, il va faire une grosse bêtise. Je le sens. Une bêtise? Quel genre de... Excusez-moi, mais on est là pour le buter de toute façon, non? Il va commencer. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Pas là. Quoi? Il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que les enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Allez. La séquence. Ok. Incroyable. Incroyable la séquence. C'est... Ouais, c'est bête, mais... Le côté inéluctable. Est juste hyper fort. Extinguis. On va éteindre les... Les torches, les masses. On va récupérer ce qui est nôtre. On va devoir faire incroyable. D'autres potions s'il le faut. Puissance. Viens, allons-y, entrons. C'est la puissance de la vengeance, je te dis. Tu parles d'une famille. Mélie.
Aidez-moi. Plus personne ne doit entrer. Tout ça ne vous mènera nulle part. Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman. Mon enfant. Hugo. Amicia. Mère. C'est Vitalis qui a fait ça. Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil. Fuyez. Sortez d'ici. Ah, pour l'amour du ciel. Hugo. Tu es prêt? Oui, ils sont là. Alors on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Waouh! Lâchez-la, Vitalis! C'est votre dernière chance! Bientôt, la vengeance sera consommée. Hugo! Ton pouvoir! Je vais bien, t'inquiète pas! Mais oui, Béatrice, c'est un élève doué. Dommage. On n'accepte pas ce qu'il sait. Ferme-la, justice! On est venu fêter, pas écouter tes discours! Et pourtant, regardez-vous. Marchant vers moi comme des brebis carrées vers leur berger. Ça suffit, Vitalis! Vous êtes seul! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Oh. Les entendez-vous? Les anges. Les autres rats. Les anges du nouveau monde. Reculez. Lui est fini. J'ai vu. Viens. Non, 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 non. Lucas, Lily, restez-là. Non, je peux t'aider. Je peux. C'est notre sang, Lily. D'accord. Achève-le. Rassemblez-vous et avancez. Qu'est-ce que... Ils les regroupent. Ils s'arrêtent pas. La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment? On doit essayer. C'est notre seule chance. Ok. Ok. La bagarre! Incroyable! Oui! Bravo, Hugo! On va lui montrer! Battle de Ratoon! Regardez, Béatrice! Regardez cet arbre, ce qui reste de votre lignée! On va voir s'il va rester ton cadavre, hein! Oh! Ce sont les reliques de l'ange! C'est terrible, c'est terrible! C'est la folie, la folie! C'est la folie! Qu'est-ce qui se passe là? Wow, wow, wow! Ok, c'est chaud. Non, plus loin. Ils viennent vraiment en nombre là. Abandonnez, Vitalis! Arrêtez ça! Non! Non! C'est pas habituel comme là. Voilà, voilà! C'est pas habituel comme manière de se confronter à les boss. Hein. Vous voyez, la mise en scène, elle est juste folle. Ok, ok, ok. Là, c'est compliqué. Là aussi, c'est compliqué. Ouais, c'est incroyable. Maman! Hugo! Amicia,
Il ne doit pas abuser de son pouvoir. On va vous sortir de là. Ah. On s'en occupe. Hugo, tu le sens aussi, n'est-ce pas? Mais tu en as peur. Le vrai pouvoir apocalyptique. Hein. Le don de soi. Il va passer le seul. Amicia, je suis l'unité. Je suis le sang des sangs qui relie tous les peuples. Reculez. Restez avec nous. Courez. Redevenez un. Reste pas là, Amicia. Wow. Ok. Ok, reste pas Amicia, donc reste. Éloigne-toi. Wow. Et mes serviteurs célébreront vers le firmament. Revenez. Revenez vers votre maître. Ok. Non. Attends, Hugo. Ne le rate pas. Vas-y, Hugo. Tornade de Ratlin. Ratlin Nado. Ok. Ouais. Revenez. Pas trop mon plus grand. Ok. Amicia, il est sans défense. Regroupez-vous. Genre sans défense comme ça? Non, non, c'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir. Complètement taré. T'es complètement barré là! Mais qu'est-ce que tu nous fais? Sortez! Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu nous fais? Vous n'êtes pas chez moi! Une approche vraiment différente. Je vais rester dans une moitié et après bouger. Ne me laissez pas. Amicia, j'ai besoin c'est maintenant qu'ils vont frapper. Besoin de nous. Besoin d'un caillou, plutôt. C'est impossible. Tu vas si. Payer pour ça. Venez à moi. On va rester là. Hein. Niveau séquentiel, on va rester là. Et après, on va bouger. Ah, là, attends. Attention. On va faire une moitié. On va rester là, hein, finalement. Vas-y, fais ce que tu as fait. Y'a personne dans mon dos, hein, là. Allez, Hugo. Et je vais rester dans le coin, là. Je vais essayer de pas aller à l'opposé. J'ai sacrifié ma chair. On va rester en mouvement. Devenir le creuset. Vous tous unis. C'est là où c'est problématique. Là, il va faire sortir du sol. Ok. Ok. Sortez.
un peu complexe. On va pas se mentir. Wapa. Allez, allez, allez. Rodrigue. Tu lâches un petit sourire, gamin. C'est la PLS. C'est très très fort. Très très fort. C'est très très fort d'avoir fini sur cette séquence-là. C'est incroyable. Février 1349. Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman, hein? Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi. Des goûts de droit? Il faut d'abord qu'on quitte la région. Ah. C'est quand même plus agréable sans... sans pourriture. Alors, tu as pu retourner chez toi ? Oui. La nuit est toujours là. Okay. Mais il est vide. J'arrive pas à croire que les rats soient vraiment partis. Oh, Amicia ! Ah, les Anglais sont plus là, du coup, les rats. Tenter ta chance au tir ? Pas moi. Ma sœur, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia ? Bon, d'accord. Allez. Et les petites figurines, un petit panneau de rats. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prêtes ? Oui, ah oui. Prête. Allez, Amicia. Pas les poules, hein. Oui. Ah, dans les bornes d'arcade, il y avait des trucs comme ça avec le Far West. T'impressionnes, Patty? Wow. Regarde, c'est comme ça que j'ai eu l'évêque. Ouais. À plus. Ma peluche! Oh! Ma peluche, sinon! Y'en a encore un? Y'en a encore un? Y'en a encore un? Ah ah! Eh! Hey, vous savez y faire, hein? Vous avez gagné une pomme! Et tout mon respect! Oui, Amicia! Bravo! Une pomme? J'ai sauvé le monde! La pomme est pour toi, Hugo. Ouais, tu es mon meilleur public. Oh, merci. J'avais faim. Comme d'habitude. Hey, on célèbre le troisième jour sans rat aujourd'hui. Il y a une petite vivement foire 4. Allez, jetez un œil. Une foire. Une vraie foire. J'ai jamais vu une foire. Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. T'es gênant. Mais c'est une foire. Hugo. Bon, mais on reste pas longtemps. Quand même. Hé, hey, regardez! Oh, le petit. Oh non. Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas. C'est comme ça. Interdit à ceux qui mangent des pommes. Il y a un problème?
problème, c'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Des gens importants. Et ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez ? Je vois très bien. Hugo, viens. Mais... gamin et sa sœur ? Viens. Écoutez... si je les croise, je vous jure que je n'en ferai pas. Vraiment, hein, hey, je tiens Hugo, ce que... Quoi ? Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. Justice, en fait. 20 pommes ! Mais tu me battras jamais. Hein, la limace ? Alors là, tu vas voir ! Ah ouais ? Alors à 3. 1... 3 ! 2... 3 ! Hey ! Oh non... Je suis juste derrière toi. Tu fais ma peine. Super. D'accord, d'accord, t'as gagné. Ouais. C'est une séquence juste de course et en fait c'est juste ouf quoi. C'est juste beau. On est là, Lucas. Est-ce que tu as tout ? Le mille-pertuis, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout. En route. Bien. Amicia ? Oui ? Pourquoi il me regarde comme ça ? Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle... elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps ? Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Hé, Hugo ? Quoi ? Tu me trouves jolie comme ça ? Ce que t'es vilaine ! Ce que t'es vilaine ! Oh, vilaine ? Moi ? Tu ressembles à une grosse mouche ! Une mouche ? Ta propre sœur ? Oh, cela mérite châtiment ! Lucas ! À l'aide ! La mouche m'attaque ! Incroyable. Quel jeu, mais quel jeu. C'est beau, c'est triste, c'est excitant, c'est intéressant. C'est plein de choses. C'est... ça casse un peu les codes. Et en même temps, c'est... ça va sur des sentiers qu'on connaît ou qu'on reconnaît. Il n'y a... pas de surenchère. Il y a... c'est-à-dire que la narration assume ses premiers choix. Notamment sur la manière d'aborder la notion de boss. C'est pas une surenchère d'utilisation de matériel ou d'armes et de flammes et autres. En tout cas, moi, je suis content de l'avoir découvert et partagé avec vous en live.